Jésus est le vrai cadeau à attendre, le seul qui puisse remplir le cœur. Les vœux de Noël du custode de Terre Sainte, le Père Francesco Patone. Même en ce Noël, Dieu est en mesure de nous surprendre, nous devons être prêts. La première conférence de Noël de Mgr Pizzaballa comme administrateur apostolique. La communauté chrétienne de Gaza s'est réunie autour de la délégation du patriarcat latin de Jérusalem pour célébrer Noël. Un moment de joie et de partage, malgré les difficultés. L'histoire et la signification de Bethléem pour découvrir comment les prophéties de l'Ancien Testament sur les origines du Messie trouvent leur accomplissement dans ce village. L'illumination du sapin en vieille ville, les marchés traditionnels et un repas de bienfaisance pour les nécessiteux et les orphelins, Jérusalem se prépare à fêter Noël. Le psaume que saint François a composé pour célébrer Noël nous redit « Le très saint enfant bien-aimé nous a été donné. Il est né pour nous sur la route, et il a été placé dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. » Chaque jour à Bethléem, nous contemplons le lieu physique sur la route où Jésus est né de la Vierge Marie. Et nous vénérons tous les jours la mangeoire où il a été déposé. La matérialité de ce lieu physique nous rappelle que le Fils de Dieu a choisi de partager de façon bien concrète notre histoire et notre vie. Le mystère de l'incarnation n'est pas une télé-réalité dans laquelle des gens ordinaires, en face d'une caméra, font semblant de vivre des situations réelles. Jésus, qui est de lignée royale, a dû naître sur la route parce qu'il n'a réellement trouvé ni accueil ni hospitalité. Il a dû naître sur la route comme un enfant de réfugié, dirions-nous aujourd'hui, plutôt que comme un descendant de famille royale. Pourtant, ce fait et ce choix que nous commémorons à Bethléem chaque jour, mais que nous revivons dans le monde entier avec une intensité particulière à Noël, nous rappelle que le Fils de Dieu prend notre condition humaine au sérieux. Jésus lui-même s'identifie à ceux qui se retrouvent sur la route, non par choix, mais par nécessité. Sur la route, parce que contraint à chercher un emploi ailleurs. Sur la route, forcé à émigrer à cause d'une situation discriminatoire et qui ne leur permet pas de vivre avec dignité dans leur propre maison. Sur la route, car un tremblement de terre ou une inondation les ont privés du lieu où ils habitaient. Sur la route, parce que la guerre les a déracinés de leur pays et a fait d'eux des réfugiés. Voici à qui s'est identifié et s'identifie toujours le Fils de Dieu qui naît à Bethléem. Sur la route, parce qu'il n'y a pas de place pour lui là où nous vivons et là où normalement nous trouvons place. Saint François nous redit cependant, en reprenant les paroles de l'Évangile et de la liturgie, que cet enfant nous a été donné et qu'il est né pour nous. Nous pouvons aussi nous retrouver sans rien sur la route. Mais si nous avons reçu ce don, notre vie est déjà pleine. Jésus est le véritable don à attendre. Jésus est le seul cadeau qui peut remplir notre cœur. Jésus est le don qui remplit nos vies. Et sans ce don, tout ce que nous avons nous servira à survivre, mais pas à vivre pleinement et authentiquement. Et il est pour nous. Pro nobis, dit le texte latin. En nous faisant deviner que toute la vie de cet enfant sera une vie pour nous. Une vie à partir de laquelle nous recevrons le plus grand bénéfice, le salut, et la possibilité de devenir avec lui fils d'un même Dieu, le Père. La possibilité de participer à cette plénitude de vie et de bonheur qu'est la vie divine. Il est pour nous sur la route,
il a été donné pour nous sur la route. Et il devient pour nous le chemin vers la vie, vers le bonheur et vers la plénitude de l'amour. Nous regardons la mangeoire dans les tables de Bethléem. Et déjà nous voyons en perspective le Golgotha et la croix, où nous comprendrons vraiment ce que cela signifie lorsque nous disons que cet enfant est né pour nous. Je vous souhaite de ma part et au nom des franciscains de la Terre Sainte de vous laisser émouvoir non seulement par le petit enfant de la crèche, mais par chaque enfant en chair et en os qui ouvre ses bras vers nous et demande d'être accueilli. Dans cet enfant, nous pouvons voir à quel point le Fils de Dieu s'est fait petit pour nous. Réellement, et non pas seulement dans un sens métaphorique. Je vous souhaite à tous, en particulier à ceux qui se sentent sur la route, en situation de fragilité et de vulnérabilité, de pouvoir ressentir sur vous le regard maternel et attentif de la Vierge Marie, avec à ses côtés la présence vigilante et bienveillante de Saint Joseph. Je souhaite à vous tous de savoir passer de cette émotion à l'action, afin de reconnaître aujourd'hui le Fils de Dieu qui demande encore d'être accueilli sur la route et qui risque à nouveau de ne pas trouver de place parmi nous. Buon Natale a ciascuno, a ciascuna di voi, alle vostre famiglie e alle vostre comunità. Même en cette année, même en ce Noël, Dieu est en mesure de nous surprendre, mais nous devons nous tenir prêts et ouvrir nos yeux à ses surprises. C'est ainsi qu'a débuté au Patriarcat latin la première conférence de presse de Noël de Mgr Pierre Battista Pizzaballa, nommé administrateur apostolique en juin dernier. L'année qui s'achève a été une année difficile, pleine de défis, a poursuivi l'archevêque, entouré des vicaires patriarcaux William Chomali et Boulos Marcuzzo, ainsi que du responsable de la pastorale pour les migrants, David Neuhaus. Syrie, Irak, Égypte ont subi des épisodes de violence jamais vus auparavant. La situation est dramatique en raison aussi de l'absence de la communauté internationale qui a assisté impuissante ou par manque de volonté au drame de ces centaines de milliers de morts, ces millions de déplacés et réfugiés. Je souhaite à présent que la communauté internationale, au lieu de soutenir les divisions et les guerres, soutienne le développement et la croissance de ces populations. Les peuples syriens et irakiens n'ont pas été les seuls à payer le prix de la violence. Il faut encore mentionner l'attentat contre l'église copte en Égypte, les actes de vandalisme contre les chrétiens en Terre Sainte, la construction du mur à Crémisan malgré les nombreux appels de l'église ou l'impasse totale du processus de paix israélo-palestinien. La situation semblerait critique et pourtant il ne suffit pas de la dénoncer, insiste Mgr Pizzaballa. Nous devons aider à trouver des solutions, assumer notre responsabilité et continuer à construire une mentalité de paix en partant de l'éducation. La frustration et l'indignation sont légitimes et compréhensibles, mais elles ne mènent à rien, n'aident pas à construire. Il faut transformer tout cela en quelque chose de concret, de positif. Il faut regarder tout ce qui se fait de bien. Même au cœur de cette guerre atroce, nous avons vu des témoignages de vie, de soutien, de solidarité absolument incroyables et qui donnent de l'espérance. Comme la foi de tant de réfugiés, la façon dont le pape François, infatigable pasteur, conduit l'Église, l'accueil des travailleurs et migrants, le rapprochement entre les diverses confessions chrétiennes en Terre Sainte, comme en témoignent les travaux de restauration du tombeau du Christ et de la basilique de la Nativité. Les raisons d'être frustrés, effrayés ou inquiets pour l'avenir ne manquent pas, conclut Mgr Pizzaballa, mais comme chrétiens, nous croyons que cet enfant qui est né à Bethléem est notre force. Quand vous attendez quelqu'un, toutes les fibres de votre être sont en attente. À peine le signal arrive-t-il que vous le percevez. Si au contraire, vous êtes distrait, il passe et vous ne vous en rendez pas compte. Ne pas se reposer, ne pas toujours se regarder soi-même, mais regarder ailleurs, cet ailleurs où l'on se retrouve et rencontre de nouveau. Mon souhait est que le Seigneur nous donne la force de continuer notre mission selon sa volonté. «
célébrer Noël lors du quatrième dimanche de l'Avent. Pour rien au monde, la petite communauté chrétienne de la bande de Gaza n'aurait manqué ce rendez-vous. C'est donc l'une des plus petites paroisses de Terre Sainte, peut-être la plus isolée et souffrante, qui a voulu se réunir autour de la délégation du patriarcat latin pour un moment de partage et de joie. Nous sommes venus à Gaza pour célébrer Noël avec la communauté chrétienne de cette partie de Terre Sainte, mais également pour fêter la Sainte Famille. Une journée de fête qui a rassemblé petits et grands. Les scouts ont accueilli la délégation et la messe a été présidée par le vicaire patriarcal pour Israël, Mgr Marcuzzo, qui n'a pas manqué de rappeler la proximité de l'Église. L'Église prie pour vous, elle vous aide et vous aime. Les plus petits ont également proposé une représentation de la nativité. L'enfant de Bethléem reste source de paix et d'espérance. Notre message de Noël est toujours celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pardon, la paix et la joie pour tous, et aussi pour les habitants de Gaza, opprimés depuis tant d'années et qui n'ont aucune espérance. Aujourd'hui, nous avons eu cette visite à Gaza. C'est un beau jour et c'est un grand soutien moral pour nous. À Noël, tous viennent ici pour participer avec nous, avec joie, à la célébration ici à l'église. Notre message est celui de la paix et de l'amour pour tous ceux qui se trouvent ici, à Gaza. S'il y a du progrès, il y a la vie, l'amour et la coopération. Ce sont avec ces paroles que le vicaire patriarcal a voulu souligner l'importance des travaux de restauration et des nombreuses activités qui ont eu lieu en 2007. Notre message est clair, restez ici. Nous sommes ici et nous voulions que vous y restiez parce que la Sainte Famille, durant sa fuite de Bethléem vers l'Égypte, est passée à Gaza. Nous voulons que cette petite famille chrétienne, ce petit troupeau de Gaza, reste. Nous ne voulons pas perdre la présence chrétienne. Nous sommes donc ici et nous voulons que vous restiez. Les visages rencontrés au sein de cette petite, éprouvée mais courageuse communauté de Gaza sont heureux. Elle a célébré cette année encore un Noël plein d'espérance. Voici le message de Noël que nous adressons à cette communauté et à cette paroisse de Gaza. Vous êtes dans le cœur de l'Église. Vous n'êtes pas oubliés et jamais nous ne vous oublierons. Cette petite ville de Judée, aujourd'hui située en Cisjordanie, à environ 10 km de Jérusalem, n'offre en apparence aucun intérêt majeur. Elle n'a été a priori le théâtre d'aucun événement de particulière importance et pourtant, elle a changé le cours de l'histoire. Bethléem se trouve sur le chemin du salut de l'humanité, Jésus y est né. Marie et Joseph durent quitter Nazareth pour Bethléem afin de se faire recenser. À l'époque, cette mesure imposait à chaque habitant de l'Empire romain de se rendre dans la ville d'origine de sa famille. Saint Luc, dans un souci de précision, affirme que la famille de Joseph était originaire de la région, même si plusieurs familles de la zone, de Bethléem et de Jérusalem notamment, s'étaient installées en Galilée afin de s'adonner à une activité agricole. Cela faisait partie, semble-t-il, de la stratégie socio-économique de l'époque. De fait, l'évangile de Luc affirme que Joseph devait se faire recenser par Quirinius, le gouverneur de Syrie, et qu'il devait donc se rendre dans sa ville d'origine, Bethléem. Ce chercheur, professeur de Bible et de judaïsme, explique que les familles juives se déplaçaient de la Galilée vers la Judée en caravane, surtout au moment des principales fêtes qui se tenaient à Jérusalem. La Pâque, la Pentecôte ou la fête des Trente, à ces périodes, on se déplaçait principalement en caravane, parce que c'était le moyen le plus sûr de voyager. Certains voyageaient à dos d'animal, d'autres marchaient à leur côté et on marquait des pauses. Il fallait compter en moyenne 15 jours de marche pour faire la route de Nazareth à Jérusalem. Le trajet équivaut à celui qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en descendant de Jéricho et prenant la vallée du Jourdain. C'était le parcours habituel déjà à l'époque. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter fut accompli, et c'est ainsi qu'elle donna naissance à l'enfant Jésus.
un lieu exigu et apparemment sans grande importance, qu'avait donc cette ville de si spéciale pour que le Fils de Dieu y naisse? Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence due au recensement. La naissance de Jésus à Bethléem fait partie du plan de Dieu et représente l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Les Saintes Écritures annonçaient que le Messie serait né à Bethléem et serait issu de la famille de David. Et comme l'enfant à naître appartenait à la descendance du Père, ainsi Jésus hérita de Joseph l'appartenance à la lignée de David. Au temps du roi David, il y avait déjà un modèle d'unification de toutes les tribus, qui sera également celui de tous les autres peuples. Comme annoncé par les prophètes Isaïe au chapitre 7 et Michée au chapitre 5, le descendant de David, le sauveur promis, aurait dû être originaire de cette ville. Cela a éclairé la théologie tout entière et a généré dans la tradition juive une espérance messianique centrée sur Bethléem. Comme les prophètes aux temps anciens, les anges annoncèrent aux bergers de Bethléem la venue du Messie. « N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né le Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. » Jérusalem se prépare à fêter Noël. Le quartier chrétien de la ville sainte a revêtu ses habits de fête et offert ses premiers cadeaux à ses habitants et à ses touristes. Samedi soir, pour la cinquième année consécutive, des milliers de fidèles ont assisté à l'illumination du sapin de Noël près de la Porte Neuve, donnant ainsi le coup d'envoi des célébrations de Noël. Nous retrouvons l'espérance lorsque nous illuminons le sapin parce que c'est un symbole de vie. Il éclaire notre existence avec la lumière de Jésus qui vient pour nous illuminer dans la foi, l'espérance et la charité. Durant 11 mois, nous sommes confrontés à divers problèmes. La sécurité est précaire, la situation économique est difficile, mais ce soir, c'est comme si une lumière s'éclairait dans les ténèbres. Ce mois de décembre est très beau pour nous et pour les enfants comme famille chrétienne. L'objectif des organisateurs de l'association Semences d'une vie meilleure était de faire revivre cette année encore la joie de Noël. C'est ainsi que les scouts ont défilé dans les rues de la vieille ville, que divers artistes ont exposé leurs créations et que les commerçants ont proposé des articles de Noël. Au détour d'une ruelle, on pouvait également croiser là un clown, là un Père Noël, pour la plus grande joie des enfants. Des enfants qui ont été les protagonistes de la soirée suivante lors du repas de bienfaisance offert à plus de 60 personnes, nécessiteux et orphelins, par la Société pour le développement du quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. À chaque fête, les enfants ont besoin de leurs parents. Si ils ne sont plus là, alors nous les aidons à sentir que nous sommes ici avec eux et pour eux. Nous leur offrons le nécessaire, faisons la fête, mangeons et buvons ensemble. Nous leur faisons sentir qu'ils ne sont pas oubliés et que nous sommes là pour eux. C'est un petit quartier au cœur de la Terre Sainte, mais ses habitants montrent encore une fois que l'attente de Noël ne s'arrête pas aux chiffres et aux difficultés et que le cœur de chacun continue à désirer une nouveauté positive pour ce 25 décembre. Il y a des clowns, des jeux et le Père Noël. Ils nous ont amenés ici pour que nous nous amusions et changions d'air. J'aime voir d'autres personnes que moi passer de beaux moments. Ces personnes sont nombreuses ici et tout le monde doit s'amuser. Joyeux Noël à tous. Merry Christmas. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du cinquième évangile. Diffusion
reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web.